avez trouvé cette tour. Par rapport à tout la édition et tout le ciment. Et vos performances parmi pendant toutes les étapes. Ça a été mal. Mon équipe, nous sommes contentés vraiment pouvoir être à la hauteur, donc remporter le maillot jaune. C'est battu à fond, mais vraiment ça va passer. Mais finir quatrième au général. C'est votre première participation. Au circuit. Mais bon, ce soir on est parti un peu tard, on a fait une course très courte, très dangereuse avec la ville. Mais bon, sur l'ensemble du tour c'était une très belle course. Bon, encore quelques petits problèmes de transport devant, mais si ça se règle, ça sera une très très belle course et j'espère que ça va continuer le tour derrière. Et vos performances pendant toute cette course? Ça a été. J'ai fait premier, deuxième, troisième, deux fois quatrième, ce soir encore quatrième. Une fois sixième, j'ai toujours fait mes places là, dans les quatre premiers. J'ai fait deuxième au général, je suis content. On a le premier et deuxième au général, l'équipe. On est quatre dans les dix premiers. On est content, premier par équipe, premier jeune. Voilà, on a fait une très très belle. C'est votre première participation ou troisième participation. Vous êtes de quelle nationalité? Mesdames et Messieurs, en vos diverses qualités et titres, nous vous remercions du temps que vous avez accordé pour attendre la caravane Tour International Cycliste en cette cinquième édition, le tour qui a commencé les 15 derniers à Goma et qui s'est transporté à Kindu. Et de Kindu, la caravane s'est déplacée pour Lubumbashi, d'où nous avons vécu une course allant de cette ville de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi. Et de Kolwezi, la caravane s'est déplacée jusque dans l'ancienne province de Bandundu, particulièrement dans le Kwilu, cité de Masimanimba,
où la course a été lancée hier et elle s'est transportée jusqu'à Kengé. Et de Kengé, la caravane s'est déplacée dans la province du Congo central en sa 7e étape. Et tout à l'heure, vous avez vu cette tour arriver à son point de chute, à l'occurrence, l'esplanade de la place triomphale où nous nous trouvons. Nous avons vu dans l'ensemble à parcourir 3 volets d'étapes. Nous avons eu de courses en circuit fermé, notamment dans la ville de Goma et à Kindu. Dans les Katanga, nous avons fait de courses à la ligne et à la montre en traversant divers milieux urbano-ruraux pour faire découvrir tant la prouesse des athlètes qui se sont enregistrés en 13 nationalités différentes, environ 15 équipes. Et cela a été une belle balade, tant pour le coureur, pour le personnel technique des accompagnants. Présente toutes nos félicitations aux coureurs. À partir de Kindu, il a porté le maillot jaune, il ne s'a jamais perdu. Et il mérite donc, il a franchi aujourd'hui dans ce package. Nous invitons les coureurs belges, Brandon Jansen. Bien, voilà, Madame, vous... Ah non. Il doit monter. Demoiselle, quitte devant, non? Thank you.